Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Un pompage à énergie solaire, ça va permettre plus passer 300 carottes à oser dans la boîte de lance, deuxième section communale Limonade. Système pompage ça, c'est résultat coopération Haïti avec Taïwan dans le cadre d'un projet qui a 4 phases là-dedans et qui visait pour mettre environ 300 pompes sur tout le territoire. Vous savez que ça va changer votre quotidien, ça va améliorer votre vie. Et vous savez que la technologie, la coopération taïwanaise qu'on mène ici en Haïti, c'est d'abord réel. C'est pratique et surtout efficace, comme moi personnellement aussi. C'est l'occasion pour la population Bois de Lance, deuxième section communale Limonade, de faire échange avec le président républicain sur toute qualité de problème zone ça à confronter. Chef l'État promet pour réaliser demandes qui sont urgentes, tant que tracteurs, courant électrique à construction de 2 km canal irrigation. Ok, c'est là, toi, moi. 30 avril, deux tracteurs pour une chute et deux tracteurs venus là, ça veut dire nous parler. Courant nous dit, aider à Jacques Baïfil, la baille consommateur, la baille photo. Et puis, et l'État, nous parlons de l'État, on est là pour l'émission. Nous parlons de l'État, magistrat avec Kazak, la parlons de l'État, leur arrivée au moment de nous. N'a dit que nous n'y avons pas, 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 directeur général de DH. Et dire comme ça, même côté avant le directeur, parce que le directeur n'est pas là. Ça c'est un deuxième bagage là, route. 2 km côté de Gendanario, fonds d'entretien routier à travers le ministère des Travaux publics à bétonner. Reste qu'il était là, on va le faire à l'homme. Vin fait des vies à vous pour combien de mètres cubes remblés qu'on a besoin, mais pas de la route. Pour combien de mètres cubes vous besoin, mettre la quantité de mètres cubes, c'est dans la rivière, allez, c'est pour faire transport seulement, la gratis dans la rivière. Maintenant, à l'homme, lui-même, la table. Faut joindre. Nous sommes en train de parler des là. On est gros contact, papa. Il y a un deux escaladrices pour charger le camion. C'est camion seulement les soirs payés. Et puis Alan lui-même m'a payé des bulldozers, la mettre des combattants pour combattre les routes là, pour mener le groupe. Comme ça, il y a une capacité pour déverser environ 1300 gallons par minute. Le président Jovenel Moïse encourageait planteurs à regrouper en coopérative. C'est un bon moyen, il dit, qui permet de bénéficier puis bien divers avantages administration l'a offert à l'association planteurs. L'autre information, dans le journal, dans une note, ministère Santé publique et population, mettez dehors mardi 2 février, demandez tout le monde qui a rentré dans le pays d'Haïti pour présenter test négatif COVID-19. Mais ça a commencé à appliquer 9 février 2021. Côté passager, il doit présenter résultat test négatif qui pas dépassé 3 jours avant même de monter avion qui a rentré dans le pays d'Haïti. Tout le monde qui a attrapé COVID-19 là et qui traité pas concerné par mes ici là, passager si la yo doit seulement présenter document qui montre que tu testé positif avec évaluation médecin qui t'est traité yo. L'autre point, dans le journal là, activité yo rete paralysée dans plusieurs points dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, mardi 2 février, à cause de deuxième journée grève syndicale dans le secteur transport, te lancé contre phénomène insécurité dans le pays. Soti Kafou aéroport, passé Delma 32, Delma 75, rivé dans Estation et puis marché Pétionville là, puis for business, pas de l'ouvrir portio et puis transport en commun a fonctionné au ralenti. Deuxième journée grève générale, collectif, syndicat transport, yo, respecté dans la cité indépendance, là, mardi 2 février 2021, même gens à première journée, aucune activité pas fonctionné dans la ville. Activité tant que l'école, commerce, transport, était paralysé dans la ville, tout comme bureau l'État, continue à rester à portio fermé dans la cité indépendance. Exalus Mère Chena Gonaïve,
Télévision nationale d'Haïti. Deuxième journée grève générale, secteur syndical la transport est lancé sous pays d'Haïti, rivé paralysé quelques activités, tant que l'école, le transport à Kenny Bank qui était fait un porte li. Quant à pour l'autre banque, tant que BNC, Soge Bank, Maison Transfert, accepté informel là, marché public avec bio l'État te fonctionné comme ça doit. Citoyens ont montré, ils ont fatigué avec façon pays à fonctionner, côté insécurité avec kidnapping, rivé créé la pérèse, la caille en pile monde dans la population. Citoyens ont souhaité classe politique là, chita avec chef l'État payant, ils façon pour une solution à crise politique qui a bouleversé le pays il y a plusieurs années. L'important pour signaler, car touche pas bouquet chanté sauver le Jérémy toute la nuit, malgré la police toujours annoncé, il y a patrouillé ville là chaque soir. Jérémy, Guillaume Gérald, Télé-National d'Haïti. Commercial à plusieurs autres institutions publiques, tant que DGI, la douane, APN, ONA, PDH, pour ne citer ça seulement qui a fonctionné, toute l'autre activité paralysée quasi totalement. Commerce formel et informel a fait nettement au ralenti, aucun établissement scolaire pas l'ouvre porte. Pour ça qui concerne la circulation automobile là, à part taxi moto yo à quelques petits tap-tap qui fait trajet Miragouane Tigouave qui dans la rue, pas gain aucun autobus qui sorti Port-au-Prince dans le sud à Grandance qui fréquentait principal gare routière qui chita dans Berkin première section communale Miragouane et pas gain aucun passager qui présentait la dans. Natacha Jean-Jacques, département né pour Télévision Nationale d'Haïti. Même cas de figure pour deuxième journée grève générale syndicat chauffeur dans cité Capoua la Moa côté toute activité yo fonctionner comme ça doit. L'école, marché public, institution privée tant qu'au public pas de chômage pour journée mardi 2 février à dans ville Port-de-Paix. Quant à pour transport en commun, dans le département de cela, chauffeur machine et passager tout est au rendez-vous depuis 5h du matin. Cependant, nous sommes capables de signaler que la pluie qui est tombée par intermittence sous ville là, il y a quelques paniques, surtout avec le travail qui a fait dans le chef du département de cela, mais qui n'a pas de gros impact sur l'activité quotidienne. Même si jusqu'à 5h dans l'après-midi mardi 2 février, le temps est toujours resté menaçant. Depuis, cité Capoua la Moa, Port de Paix, Marc Eddy Ossam, antenne télévision d'État. Situation pas trop différente dans zone Boudon, Musso, Lalu, Canapé Vert et Sounazon pendant deuxième journée. Fermé, business yo pas fonctionné, ti machan yo pas occupé la rue dans quelques zones. C'est chauffeur moto yo qui te continue mener activité yo, j'en sa qu'on a mis de fait. On fait un coup de tout chayo déjà sur place, ça qui ont parcours qui bien défini, EDH à l'œuvre pour alimenter tout coin villa à courant, bien bouché d'eau, cap metté pour finaliser divers travaux infrastructures, parmi eux, boulevard Trois-Rivières qui presque achevé. C'est quelques éléments qui montraient préparatifs avancés pour permettre population haïtienne vienne ambiancer pendant une période carnaval là, dans le chef de département de l'Ouest là. D'après Distima, Raymond Fedner, qui se porte-parole au comité régional là. On très avancé, nous recevons Chao déjà, bien travaillé. Qui va le faire dans eux. En fait, il y a un parcours là, nous définissons un parcours déjà, qui se saute sous le champ d'aviation, tombé en face de cette frère, monter sous le boulevard de la rivière, passer dans le Chabousson, aller retourner sous le champ d'aviation. Sur le plan sécuritaire, le CPAD là, Magistin, nous travaillons, regardez comment nous avons sécurisé le carnaval là. Par côté parcours là seulement, nous avons sécurisé la ville de Port-de-Paix. Pour ça, qui gagne à voir avec logistique, sauté Port-de-Paix pour arriver sur l'île du Nord, tout hôtel yo déjà disponible et qui a agrandissement qu'a fait dans certains hôtels sans compter. Plus passer une centaine de maisons avec bon confort que le comité carnaval là déjà répertorié pour recevoir visiter yo d'après porte-parole là. Pour hôtel yo, ma pour garantie formellement, tout hôtel a fait travail. Et à part d'hôtel, il y a plus de gros monde dans Port-de-Paix qui tellement voulait le carnaval là, qui mettait tout le caillou à disposition pour nous venir. De Port-de-Paix jusqu'à celui du Nord. Et j'ai souvent commencé à venir. À côté, ambiance musicale, période carnaval là, dans la ville Port-de-Paix, c'est momento pour visiter ou découvrir un pile belle plage, un site historique dans le département de l'Ouest là. Un pile site touristique, ma prends le cas par exemple tout bon Dieu, m'a pris le cas de la ville au grand, en pile plage que nous venons, on m'a apporté le cas de Sidalo plage, la Bretouesse, on m'a apporté le cas de Sidalo la baie, on m'a apporté le cas de Sidalo Fourneau, ça m'a passé le bagage à exploiter et qui en pile l'autre côté que nous venons découvrir ensemble. Depuis, c'était Capoua la Moa, Port de Paix, Marc Eddy Ossam, antenne télévision d'État. Chers amis de la presse, chers téléspectateurs, chers auditeurs, alors nous la souhaitons pour nous rappeler que nous devons vivre
deux journées de grève. C'était lundi 1er février et mardi 2 février, donc hier et jeudi. Maintenant, deux journées ça, nous pas gain pour nous voyer roche caché même, j'étais handicapé la vie sociale et économique pays. Dans ce sens, le Premier ministre qui gagne support tous les membres de CSPN et qui gagne support tous les membres du gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui, pendant les 10 derniers mois, a prêché cohésion et solidarité. Il a décidé de parler avec la presse et parler avec la population sous deux journées. Ce n'est pas nécessairement une conférence de presse. C'est un, logiquement, c'est ça que nous avons un point de presse pour nous communiquer sous deux jours. Donc, PM, non, Joseph Jout, nous pourrons parler pour le capable de dire nous qui ça le pensait. En tant que PM, chef CSPN et chef du gouvernement, sous deux jours, côté des grands handicaps, la vie sociale là, et vie économique là, et vie générale là même, d'après ça, nous avons constaté. Merci PM et bon la parole. Monsieur le ministre, le secrétaire d'État, Monsieur le directeur général de la police et le haut état-major de la police nationale, Madame la directrice de cabinet, Messieurs et Dames les journalistes, nous souhaitons nous bienvenue dans la résidence officielle du Premier ministre et nous pouvons permettre de présenter toutes mes sympathies publiquement à notre icône de journaliste, Madame Liliane Pierre-Paul, qui est perdue Marie-Lie. Je vais présenter sympathie non seulement à Madame Liliane Pierre-Paul, mais à toute famille que deuil ça lui affligeait. Encore vous dire notre mauvaise nouvelle et nous apprenons que notre collègue fils du plateau central, M. Serge, il y a les tout. Et on a toujours continué à regretter chaque fois que nous fait une bonne action pour dire félicitations pour voir un peu faire pour lui, mais nous pas jouer de temps ben, félicitations à vous, c'est le moment et puis nous songeons que nous ne pouvons pas féliciter pour chaque action que nous faisons. Nous avons plutôt passé tout le temps à critiquer ça pas bien, alors que pas de monde qui peut faire, mais tout le monde fait un pile de bagaille. Et sous faire l'assurance, nous nous comptons, il y a plus de bon monde que mauvais monde, il y a monde qui a plus de bonté, plus de qualité que défaut. Nous venons là pour nous parler de journée de grève. J'en connais bien le ministre Riquel vient de le dire, qui était paralysé la vie socio-économique du pays. Moi, je voulais dire à toute population que le gouvernement il prend acte de deux journées de grève qui vient ici contre l'insécurité, sa fonction de bien, et le kidnapping. C'est preuve que la population les comprend ce qui a passé. Hein? Et même gens avec le président de la République, là, même gens avec le Premier ministre, là, même gens tout le gouvernement, nous fatigués et nous exaspérés par la situation ça, qui a fini avec non seulement la paix dans la famille, ça met un pile deuil tout la famille, un pile problème, mais ça décapitalise la famille tout, parce que des fois, on kidnappe les gens, pas de code pour payer le son, on est obligé de vendre si ça gagne, ça va même posséder, prêter code pour en payer pour la guerre. Et nous nous rendons compte que
Nous avons kidnappé les gens qui soi-disant des cobres. Mais je vous dis, nous avons kidnappé machin, nous kidnappé les gens qui ont balayé la rue, nous kidnappé ingénieur, nous kidnappé docteur, nous kidnappé infirmière. Ça veut dire pas de grand secteur dans la vie nationale n'est pas victime de affaire kidnapping. Nous avons félicité la population qui n'a pas entré dans la violence malgré tout appel que nous avons fait pour nous faire violence. Nous avons quelques petits vagabonds qui jouent gauche sur quelques machines qui tapent circuler. Mais l'essentiel, c'est que la population a manifesté et lui dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a eu ras-le-bol de ce qui se passe dans le pays. Je profite tout pour un gros coup de chapeau à la police nationale, qui, malgré toute menace, toute rumeur, toute intoxication que vous faites sur les réseaux sociaux, les était campé de droite, et empêcher les spécialistes du chaos, qui vivent de sang, qui vivent de violence, ils étaient dégagés les contenus tout le monde. On a profité pour présenter sympathie avec Kefe Marlon Bayon policier, que l'aigle cap veillé dans le cadre tiré sur lui. De l'hôpital Kounia, nous prenons balle dans les jambes. Je dis aux policiers que CSPN n'a pas, le Premier ministre n'a pas, tout le gouvernement est avec lui. Il est blessé dans le travail, mais au moins, le pays a connu qu'il y a des hommes et des femmes de la police nationale qui peuvent danger. Les abdômes de Cameroun, nous n'avons pour bonne sécurité et une mérité en pile accompagnement pour ça. Je félicite la population autour pour parce qu'elle campait tout dans la police nationale. C'est ça que nous avons fait. Dans ce moment-là, tu as gagné une petite président, mon secrétaire général du parti politique, je vais parler de M. Jean-Baptiste. Comme ça t'a fait bruit dans la société, nous obligeons de parler de lui. Mais selon ça, nous voyons le rapport qui fait que nous recevons. Petit client est victime déjà d'une tentative d'enlèvement. Et M. est à voir qu'il y a une occupation libre parce que l'abjuré en partie tout business papa. Hein? Et puis, là, tout le monde partout la police. Et au campé, on ne peut pas le parc, c'est la police vraie, parce que il y a un peu d'individus, et avec des uniformes de la police, maintenant on dit ça souvent. Des fois, au campé, la population, on ne peut pas croire si c'est police ou on ne peut pas comprendre. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que monsieur paniqué, et puis monsieur tombé couru. Population, suivre la police nationale, là, dans le barrière machine, là, bon, on a appris aux policiers que la machine a été frappée pendant le jeune homme a couru. Et puis monsieur, en fin de compte, a atterri dans le commissariat Thomasin. Ça a été fait tout au palompile. Et je vais profiter pour nous battre un gros bravo pour le commissaire Ménard, parce que m'a conçu la vidéo de temps en temps sur sa capacité Thomas. Tous les commandements de la police nationale qui mobilisent sous cas, parce que nous ne pouvons pas commencer à lier, mais le commissaire Ménard a su faire un travail de professionnel dans calmer la population pour ne pas incendier commissariat et lynché M. Damien, qui était nommé de CPJ, de CPJ Philippe Franck-Catherine,
mais tout est rentré dans l'ordre, mais moi c'est moi qui toujours aimé pour le côté positif là. Dans chaque sac qui vient dans la vie, nous toujours voulons voir qui est positive. La population est accompagnée de la police nationale là. C'est preuve que nous faisons la police là confiance. Maintenant, la population pour continuer à faire la police la confiance pour casser l'insécurité, kidnapping, vol la mer en main, attaque qu'elle a fait sur tout le monde, la population, sur le site pour nous. Tout le monde qui est victime. Il y a un peu de problèmes politiques dans le pays, certes. Nous pas tout le temps ouais, même couleur, nous pas tout le temps comprendre le même bagaille. Mais, maintenant, je m'appelle un syndicat qui a lancé grève pour deux jours. Et tout syndicat, ni sac pour grève, ni sac pas pour grève, nous avons mis un petit rencontre avec eux. Pour plusieurs raisons. Pour les raisons, nous avons une chance à la vie, mais pas contre tout le bagaille. Nous toujours aimons tant de monde, nous toujours aimons tant de conseils. Et nous aimons tout vivre des expériences que nous avons fait. Souvent, je connais comment la sécurité de mon pays est, regardez comment la circulation est. Et le syndicat Lission, il y a vécu des situations qui sont extrêmement compliquées, il y a des pires revendications, il y a des revendications qui sont justes. Il faut être conscient dans le gouvernement, il y a des revendications qui sont justes. Il y a appris tout de métier, il y a des pires d'expérience, il y a passé instruction déjà pour éviter tout syndicaliste, que ces syndicalistes qui nous transportent, que ces sacs d'éducation, mais à quelque niveau que syndicaliste aient, moi-même, l'intergouvernement, je me fais parler avec vous, pour m'apprendre nous-mêmes et pour continuer le travail, pour une grande partie politique sérieux qui est dans le pays, qui c'est Haïti. Parce que nous faisons compte, tout le monde, que on a une opposition, que on a un pouvoir, il y a une politique, il n'y a pas de politique, il y a une seule partie politique qui est en Haïti, qui s'est payée nous obligés de travailler, nous obligés de chita, nous obligés de parler ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord, mais il faut continuer de parler jusqu'à ce qu'on travaille pour retirer le pays nous dans tout ce qu'il y a. Et je répète encore, nous tous là, à la même bade, travaillons pour mettre le pays dans tout ce qu'il y a. On y a, c'est pour nous gonfler pour être ensemble, pour nous retirer le droit, pour nous manger et pour nous payer côté nous après vivre là-dedans, parce que nous comptons parler avec un pays étranger, bien qu'il y ait un pays là, chaque moment de le pays, on peut se crier. Alors que nous-mêmes, nous avons des difficultés pour nous vivre là-dedans. Alors, je me sens dit là, en mettant ensemble, avec toute divergence nous avons. Pas de problème. Ou bien moi, moi. C'est pas ça, c'est ça pour le problème. Mais c'est pour l'entendre, nous comptons de parler de bleu gris, off-white. C'est pour vous, on nous dit super-endi, il faut chercher une couleur. Si c'est rouge bien bleu, même bien rouge, il faut mélanger pour nous une couleur. Nous tout cas servent, nous tout cas d'accord. C'est compréhension de ça. De monde qui veulent payer, de monde qui veulent vivre dans le pays, de monde qui a protégé petit lit, qui a protégé madame, qui a protégé bien, sous les collatéraux en Haïti, sous les biens en Haïti, le monde c'est la vie où j'ai protégé. Maintenant, de la population pour continuer à dénoncer mon dit. Merci en pire. La police là. Dans tout compartiment. Et nous rendons compte qu'en pile opération menée sur toute l'étendue du territoire national. Hier soir, bien tard, nous avons une information avec les directeurs de la police là. Nous mettons un débarqué de la vache et un traqué de trois bandits. C'est pour dire que la situation est extrêmement compliquée, mais la police n'a pas baissé les bras. Le gouvernement n'a pas baissé les bras. La police doit continuer à mobiliser. J'en témoigne hier avec Jodia. C'est pour me débrouiller, pour avoir un moyen pour me balayer, pour me camper dans la rue, pour faciliter que nous faisons politique,
pour faciliter que nous ne sommes pas d'accord avec l'autre, mais pour camper dans le temps, même si nous voulons parler pour mon groupe, et pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas casser tête l'autre, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas agresser l'autre, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller au couteau, pour nous aller catcher avec nous, pour nous blesser l'autre. C'est le job de la police, il est là pour le travail, ni pour l'opposition, ni pour nous qui sommes au pouvoir. Ça veut dire, il est pour le travail pour tout le monde qui est un groupe parti politique, il y a eu Haïti. Je souhaite que tout le monde vainque à l'occupation sous l'œil vigilant du gouvernement et de la police nationale. On dit oui à diversité, mais adversité par la donne. Vous roches par la donne. Les hommes tirés sur les policiers, tirés sur la population, les paladins. Kidnapping, paladins. Monsieur le réseau social, en pile, si kidnapper, vous gardez sa population, vous dites pour faire, vous avez changé de métier. Et malheureusement, vous avez changé de métier, mais maintenant, la police pour continuer de traquer avec plus de rigueur qui possible pour la justice, Bayou. Sont que vous méritez. Bon, si vous vivez en ville, mais la police, parce que nous comptons que la population est fatiguée. Regardez des images qui effrayent. Mais la police te fait intervention, mais ça vient. Regardez ça, c'est, franchement, c'est des images que nous n'avons pas supposé projeter, mais la presse pas fait nouvelle. La presse baille nouvelle. Il y a sur les réseaux sociaux, la presse est obligée de publier, sur les faits de déclaration, elle est obligée de parler de ça. Mais c'est des images qui effrayent et ces populations qui ont été lâchées, qui ont été coupées tête. Et nous avons plus de 100 jours coulés si la police n'est pas intervenue pour retirer le monde des populations. Nous n'avons pas voulu nous en faire vengeance, nous n'avons pas voulu nous plus albâtre aux justice parce que la Constitution et la loi de la République ont empêché ça. Mais vous voyez tout, il faut changer de métier, kidnapper et tout. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça qui arrive, que la police n'est pas qu'elle est arrivée et puis la population est en passant à l'infinitif. Alors, mes sympathies, je finis là pour vous présenter encore mes sympathies à Mme Liliane Pierre-Paul, à toute famille, à toute famille et professeur. Je présente sympathie à toute famille. Saint-Gilles, qui c'est un plateau central même là avec nous, son nom que nous respectons un peu tout. Parce que ma preuve respecte toute valeur, tout le monde, le pays, qu'on compétit. Seul monde qui a foutu qu'à respecter, nous faisons plus de force et bon dire kidnapper. Nous n'avons pas que pour nous respecter. Alors, nous devons changer de métier, changer de comportement, si vous voulez mériter le respect, pam, et par conséquent, respect toute population. Merci un peu. Alors, on a rappelé pour vous, intervention PM, non, merci, Premier ministre. Intervention PM, non, moi, ça me noté là-dedans, par contre, pour vous, vous remarquez que il dit que le grand malaise, et que c'est au nom du malaise, ça, je vous dis en conférence de presse, ça, point de presse, ça, fait. Et déjà, dans le malaise, ça, le président a déjà souligné hier, il attire l'attention sur le kidnapping, il y a des efforts qu'il a fait pour rétablir vraiment la sécurité et que le kidnapping n'a pas de solution. Donc l'autre bagaille et tout, c'était un appel au dialogue qui fait. Hein? Il faut un appel au dialogue qui est formel. Et nous souhaitons que tout le monde qui est concerné réponde oui à appel ça. Et puis, troisième bagaille, il faut un appel à la reprise d'activité au demain. Il félicite PNH là pour effort le fait. Et est-ce que vous voulez pour un... Bon, ouais, c'est deux questions. Pas plus. Merci. Merci PM. Donc, nous saluons l'intervention. Nous avons des questions, c'est par rapport avec. Donc, c'est une question qui a de volets. Le premier volet, c'est par rapport avec le gouvernement, avec le défi qui d'après notre volonté. Et pas jamais gagner une réponse, c'est vraiment le gouvernement côté par rapport avec plusieurs mon cap qui d'après le pays. Et que, malgré l'intervention, on fait dans plusieurs quartiers populaires, par exemple, Pégré en ville,
pour déloger l'équipe d'appel, donc pour vous mettre un défi pour le gouvernement. Deuxième partie, c'est dimanche, soit aussi dans dimanche, que c'est plusieurs policiers qui ont tiré et meurent et population ont passé un exercice précaire en l'instant. Donc, question ça, c'est pour l'état-major de la police. Donc, est-ce que des enquêtes qui sont en cours pour identifier qui policiers qui ont été empêchés que la population évacue avec, disons, donc, pour plaisir l'exercice précaire en l'instant? Et puis, qui réponse que nous comptons porter par rapport avec les policiers qui toujours ont pu faire un type de renseignement? Merci. Merci Bill, je pense que j'ai de très bonnes questions. Félicitations. Et pour ça que passe la chambre à ça, on est à ma vie, on va nous répondre, on cherche à se faire la prétention que nous sommes pour nous. Nous continuons, nous identifions, et il y a bien pour répondre très bientôt à ça que nous commettons. L'autre question, vous avez une consultation à désolé. Non, pour tout le monde, il y a un petit peu. Nous avons toujours aimé, même dans le proverbe, à bon moment, soyez. Si je me raconte un rêve, on va me chanter chez la nuit. Et il y a même trois chers à carrément, par exemple, l'homme levé la nuit, on va venir sous pied. Vous avez dit, le chien est bon. Jamais. La police nationale ne dort jamais. Les gars, nous pas compris, je ne t'ai pas dit ça, parce que kidnapping est tellement tout a monté ces temps-ci, mais la police dévient tout. En pile cas de kidnapping. Les gars kidnappent nous-mêmes tout. Bien entendu, nous demandons beaucoup pour bavard, pour raconter la population et au point. Mais malheureusement, si n'a fait démocratie, n'a respecté le droit de l'homme, ou mettre qu'un bon nègre la main dans le sac à fond bagaille, faut mettre présumé devant l'homme. Les organisations des droits de l'homme, des droits humains, nous parlons qu'on filme pour présomption d'innocence. Mais la justice a même utilisé nous ça. Mais la police n'a pas été présentée par nous. Et le TAC a besoin de plus d'informations. Mais tout le temps, on va faire une enquête. Il n'y a pas d'informations. Mais la police est plusieurs kidnappeurs. Non, mais, il y a des gens qui ont encouragé le kidnapping. Parce que pas de citoyens sans voler. Si pas de citoyens, pas de voler. Alors, notre travail pour ça, nous avons demandé aux populations pour continuer à faire confiance. Situation est exagérée. Nous admettons, nous prenons note. De réponse que la population baille après deux journées de grève à eau, et là maintenant, on a placé beaucoup pour continuer le travail, mais ça passe dans la chambre à ça, on met tant de moi, sur les journalistes, la police nationale a bon réponse sur lui bientôt. Merci en pile, c'était deux questions. Les poser trois, nous répondons tous les trois, merci. Merci parce que nous sommes venus. Alors, à très bientôt. Merci. Oui, on a fait vite demain matin à 10h, en matinée. Une conférence qu'on prend une presse police nationale à Baye, en parlant de bavard justement, pour qu'on parle de, en plus, en long et en large de tout ce sujet ça, demain matin, dans le DCPJ. Merci. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.